Soliman de Seton pratique le beach rugby comme le rugby classique. Pour les autres, pas de plaquage remplacé par un toucher simultané des deux mains sur le haut du corps adverse. Objectif par contre reste le même pour tous, aller aplatir dans l'embut. À Saint-Jean-de-Mont, jeudi, vendredi et samedi, le beach rugby a complètement assumé son côté sport de plage. Tournoi peut-être, ambiance festive quand même. C'est l'esprit de d'une fête de famille. Lorsqu'on va au bord de la plage, on a un ballon, on joue avec. Là, c'est un peu plus organisé. On a mis un petit peu de structure autour, des ballons, des structures gonflables pour donner un cadre. Mais c'est avant tout donc un bon moment passé ensemble sur la plage en faisant un peu de rugby, de la balle ovale. Donc c'est particulier quand même. Donc passe en arrière, ça c'est le rugby. Et puis surtout dans un bon moment de fête, comme une grande fête de famille. Une famille qui comprend aussi des rapportés. Cette équipe féminine, par exemple, en rouge et blanc, engagée dans le tournoi et composée à 100% de handballeuses. Des handballeuses qui ont su très vite s'adapter au jeu. Un peu difficile pour nous, j'avoue. Mais ça se passe bien, c'est très, très sympa. Et puis les filles sont très très sympathiques aussi, il y a une bonne ambiance. Ce tournoi accueille aussi des équipes qui pratiquent le rugby toute l'année et trouvent dans ces compétitions sur la plage le moyen de se détendre en fin de saison. C'est le cas des féminines de Dieppe qui jouent en Fédéral 3. Là, on s'amuse beaucoup en fait, c'est du jeu, on se fait plaisir, il y a une bonne ambiance, on se fait pas mal, c'est du sable. Et puis le championnat, on est quand même dans un autre état d'esprit, donc c'est un combat plus compétitif. Ouais, c'est une compétition que là, c'est vraiment le plaisir et l'esprit d'équipe, donc c'est important, ça ressoude l'équipe. Le plaisir et la détente sont donc au rendez-vous, mais le physique compte aussi. Les matchs durent 8 minutes et courir 8 minutes dans le sable, c'est plutôt fatigant. C'est plus difficile parce qu'il faut créer des espaces, mais ouais, c'est plus difficile. Très dur, ouais. pour les cuisses, ouais, ouais, et puis pour les gabarits aussi. Les accélérations sont pas les mêmes que sur la terre, quoi. Est-ce que c'est fatigant de courir sur le sable ? Oui, parce qu'on patine, on dirait que tu cours sur place. Le beach rugby a en tout cas trouvé sa place à Saint-Jean-de-Mont et sera de retour cet été avec le Beach Tour National qui fera étape sur la plage vendéenne les 7 et 8 août prochains.